Novak Djokovic est au sommet de son jeu. Il a tout compris. Depuis 2 ou 3 ans, il joue l'un des meilleurs tennis de l'histoire, comme ce qu'il a réalisé contre Roger Federer. Il l'a battu 2 fois à Wimbledon et 2 fois à l'US Open. Il a tout fait, il joue l'un des meilleurs tennis de l'histoire. C'est tout simplement incroyable. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai toujours pensé que Novak était un peu trop inconstant moralement, qu'il pouvait perdre pied rapidement. Mais maintenant, boum, il rate un coup et il revient tout de suite dans le match. C'est vraiment plaisant à voir. Serena Williams a 34 ans maintenant et elle est là depuis tellement longtemps, elle se fait un peu secouer et les autres filles sont plus jeunes et plus fortes. Elle reste certainement la meilleure joueuse du monde grâce à sa motivation et sa volonté. Quand vous êtes là-haut depuis aussi longtemps, c'est difficile de réussir ça. Elle a beaucoup fait pour ce sport, c'est une grande joueuse, une des plus grandes de tous les temps. Mais de temps en temps, vous allez perdre.